Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à notre pipeline DevOps. On est toujours sur la phase intégration de notre JMeter. On va intégrer un nouvel élément dans notre JMeter. En tout cas, on va l'intégrer un petit peu dans notre Jenkins file dédié à notre JMeter. On va le customiser un tout petit peu juste pour vous donner l'idée de pouvoir faire ce genre de choses. L'idée est très simple, c'est qu'en fait, quand on en déduit que JMeter à des résultats qui ne sont pas satisfaisants, le build à la fin de notre Jenkins, on veut qu'il soit dans le rouge, tout simplement. Donc pour ça, ce qu'on cherche à avoir, c'est ici le bouton rouge. On veut que notre job ne soit pas concluant et soit rouge ici. Donc pour faire ça, c'est assez simple. On va aller éditer le Jenkins file. Donc c'est la petite ligne que j'ai mis commentée ici. On va la décommenter. Comment j'ai fait pour obtenir cette ligne? C'est assez simple. Je me suis rendu dans. J'ai pris n'importe quel job, j'en ai créé un, ici, comme ceci, et j'ai pu récupérer alors, hop, un qui est pipeline. Sinon, on a celui-ci, de toute façon, voilà, je clique sur pipeline syntaxe. Hop. Et ici, on a l'éditeur de syntaxe Jenkins file. Dessus, je vais taper perf, et j'ai accès à perf report. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous ai partagé dans cet élément-là. Ici, et nous ce qu'on peut faire, c'est jouer ici sur donc d'une part fournir le nom du fichier de résultat, donc c'est result.jtl. Ensuite, derrière, donc il y a pas mal de tuning qu'on peut faire avec, hein, ça paraît pas comme ça. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est non pas une variation relative. Qui va être à base de pourcentage par rapport à des builds précédents, par rapport au nombre de builds moyens, etc. Nous, on va le faire par rapport aux erreurs que l'on a. C'est-à-dire que, comme on avait vu lors du job précédent, est-ce que je peux vous le montrer? Non, vraiment pas comme ça. On a le. Hop, là, si, on va le voir là. Hop, ici. Voilà. Voilà, donc ici on a tous ces éléments qui sont joués et on a un élément, notamment le premier qui est en erreur ici. Non, c'est celui-ci qui est en erreur, d'ailleurs il est en rouge, qui est à 100%, et du coup on a un taux d'erreur global qui est à 12,5%. Nous, on veut avoir un taux d'erreur qui, dès lors qu'on dépasse les 0%, on considère qu'on tombe en erreur et on veut que notre build soit en erreur. Donc pour faire ça, on va dire que notre taux d'erreur, on considère qu'on est instable et qu'on est failed. Donc failed, c'est vraiment le fait qu'on failed, c'est qu'à le dire. Et instable, ça veut dire que on signifie qu'on a une situation dégradée, quoi. Donc là, on le passe à 0 et à 0. Et puis finalement, le reste, on s'en sert pas ici. C'est vraiment pour jouer sur les pourcentages, une comparaison. Donc là, on rentrerait vite dans le détail et on s'y perdrait un petit peu. Plus encore avec le mode expert. Ça, je vous invite à vous former vous-même un petit peu là-dessus. Et ensuite, on clique sur Generate Pipeline Script. Donc ici, on le prend, on le copie et on va le placer dans notre Jenkins file. Donc ici, on a notre Jenkins file qui est présent. Et on va sur la partie finale. Donc moi, je vais juste décommenter, hein, c'est la même chose. Cette partie-là, je la supprime. Ici, je décommente cette partie-là. Donc si vous vous souvenez bien, le build précédent, on avait un build qui s'est terminé en success, malgré le fait qu'on avait nos 12,5% d'erreur. Là, on va voir. Donc là, on va mettre check. For build git push. Donc là on relance, ça déclenche automatiquement, ça c'est plutôt quand même très cool. On va retourner ici, on va se rendre dans notre partie dev et là il est reparti pour un tour et on va voir comment ça se passe. Donc toujours notre partie build, ensuite on va voir notre partie où on va construire notre image Docker, toujours. Voilà, on pousse ensuite notre image Docker. Ensuite, donc on a notre Ansible qui se joue. Ça va aller assez vite.
Et donc là, on va voir le test qui va se lancer. Voilà. On attend ensuite que l'applicatif se lance. Donc même si JMeter peut être utilisé à minima, vous voyez que là on fait un petit check avec Ansible pour voir si l'applicatif répond. On pourrait très bien se dire, bon l'applicatif, je veux le checker plus finement sur sa réponse. Mais à ce moment-là, on pourrait même dire on échauffe en gros les caches applicatifs ou ce genre de choses avec JMeter, ça poserait pas trop de problème. Alors là on est sur un success. Pourquoi je suis sur un success? Parce que je suis resté sur un ancien settings. Pourquoi je suis... Ah oui, je suis resté à 20%. J'ai pas mis le bon. Ok. Donc là, vous voyez que c'est passé encore une fois. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis resté sur un ancien test que j'avais fait où j'avais mis 20%. Donc là, moi, je vais changer, je vais le mettre à 0%. Donc là, mon test est encore passé. Vous voyez, j'avais mis en gros une limite d'acceptation du niveau d'erreur. Donc là, forcément, c'est passé. Si je recommence ici, hop, git commit -m 0 pourcentage erreur. Voilà, git push. Toc. Donc là, on relance. Donc là, vous voyez qu'on avait un taux d'acceptation à 20%. Or, nous, on était à 12,5%. Donc forcément, c'est passé. Donc on va rejouer. Donc ça va aller assez vite, hein, vous inquiétez pas. C'est un peu l'avantage du déclenchement automatique. Donc là on le rejoue. Et là, hop, ça va un petit peu plus vite. On a le Ansible qui arrive. On pourrait gagner encore du temps, il y a pas mal de petites choses à tuner, le Ansible notamment, on pourrait enlever les gazerfacts, quoi, cacher les gazerfacts pour gagner un petit peu de temps. C'est un peu risques et périls de le faire, suivant le type d'action qu'on réalise. Mais voilà, donc là on a les retries qui se font. Et derrière, hop, on a le test qui va maintenant se déclencher. Donc ça met 10 secondes exactement à chaque fois. Youp, voilà. Et le JMeter qui se lance. Donc là, le test de JMeter est très très rapide. Et derrière, vous voyez que le job, il a fini en failure cette fois-ci. Donc là, si on regarde bien, hop, on est passé en rouge. Pourtant, on a le même déroulé. La seule chose qui a changé, c'est le taux d'acceptation au niveau du test. Donc si je me rends au niveau du performance report ici, hop, je vais retrouver donc mon get question ici, hein, qui est bien à 100% d'erreur. Et donc c'est lui qui a fait planter le test. Je sais pas si dans les logs on a plus d'éléments, je me rappelle plus. Est-ce que je suis parti? Ma console output, voilà. Donc dans les logs, ici donc on a nos éléments et ici voilà pourcentage erreur. Donc on nous dit que on check les 0%. Et derrière, ici, on est à 12,5%, donc du coup, il dit error, et donc build status is failure. Donc, on pourrait même traiter aussi ces éléments-là hein, plus finement grâce à du Groovy, récupérer les éléments des réponses, les traiter soi-même plutôt que de laisser le performance test les traiter et faire des choses plus personnalisées, plus custom. Il y a des gens qui font ça de manière magnifique. J'ai vu des choses. Très 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 sympathique et des gens qui font du Jenkins file vraiment des choses super sympas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. L'objectif c'était de vous montrer ce fonctionnement, ce principe de seuil pour vous donner des idées. Vous savez que vous pouvez aller creuser dans ce domaine-là si vous le souhaitez. Voilà, on fera encore quelques petites vidéos, je pense, sur en guise de conclusion. Donc si, encore une chose, bien sûr, hop là. Donc là, on a fait sur la branche de dev. Si je fais un git checkout stage, je fais un git merge de stage, git push. Voilà. Git merge de stage, git merge de dev, git push. Voilà. Donc là, vous le devinez, comme on avait mis un if lors de la vidéo précédente. Donc les choses vont se dérouler hein. Et pour autant il va pas être testé à la fin tout simplement, c'est juste l'objectif c'est de vous montrer simplement ça
Donc en fonction des branches, alors je vous ai expliqué, hein, moi je teste la branche de dev là en situation un peu plus réelle. L'idée c'est de pas faire ça même chez vous, testez plutôt une branche intermédiaire. Le but c'est pas de tester forcément la branche de dev, c'est plutôt d'avoir une branche intermédiaire avec une situation plutôt ISO en termes de CPU, de ressources par rapport à ce qu'on a à l'environnement de production pour pouvoir faire un vrai test, faire de la performance, donc augmenter les volumes, faire de la concurrence. Donc voilà, c'est des choses assez importantes. Là, c'est des choses qu'on n'aborde absolument pas. Voilà, donc ça va se terminer juste pour vous montrer. Et voilà, donc là, on n'a pas fait de JMeter, on a un succès. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à en parler, à la partager autour de vous et je vous dis à très bientôt sur Xavki.